Bref, salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Skill to Kill. Donc déjà merci des retours pour l'épisode 1, c'est vraiment super. Vous avez adoré, franchement ça me fait super plaisir. Ça m'encourage, je vais faire beaucoup de vidéos puisque voilà, ça me tient à cœur cette série vraiment. Donc l'équipe je l'ai formée autour de Up comme Emrekan, Depay que j'ai laissé, que j'avais beaucoup apprécié lors de l'épisode 1. J'ai rajouté Ben Arfa sur le côté, un très très bon joueur que j'aime beaucoup Ben Arfa. Il y a Tarab de 5 étoiles, il y en a beaucoup de 4 étoiles, notamment Coutinho, Dempsey. Et on a Rémi, très très fort Rémi. Alors on va directement lancer un match en bouclier des champions. Alors vous allez me dire, encore un bouclier des champions. Alors pour l'instant, je me concentre sur la coupe, puisque c'est quelque chose que j'aime bien. Et on tombe des fois contre des équipes, enfin contre des gens qui se prennent un peu moins la tête, on va dire, que en saison. Ne vous inquiétez pas, en fait je commence avec ce compte. Du coup je crois que je suis en division 6, il me semble. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'attends de monter en division 4 voire 3 pour qu'il y ait un peu de niveau et que je puisse vous proposer ça tout simplement. Alors vous pouvez voir le premier but vraiment gag. Alors je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est mon gardien qui a bugué. En tout cas un premier but vraiment dégueulasse. Donc voilà, je vais directement répliquer avec Depay un but. Un peu raccro, vous pouvez admirer la magnifique passe de Coutinho en profondeur, Depay qui accélère, il résiste au tacle et il marque après que le gardien est touché. Ensuite, enchaîne avec Rémi, donc je fais des petits passements de jambes, des petites feintes de frappe, j'accélère encore une fois, la feinte de frappe, la grosse frappe de Rémi, donc elle est bien captée par De Réa. On enchaîne avec Tarab qui va jongler, je vais faire un coup du sombrero, je vais faire un petit scoop down, Rémi pour Coutinho, Coutinho qui est seul face au gardien, et là je vais faire le gris-gris de trop, on va dire, je vais dribbler le gardien, je vais vouloir faire un skill shot, c'est un peu mon défaut, puisque je veux trop en faire souvent, et voilà, ça finit à côté. Alors que Rémi à la 47ème minute qui va faire plusieurs scoop turns, la roulette, la grosse frappe et encore une fois l'arrêt de Doréa, un très très bon gardien de Doréa dans ce jeu, il m'a fait beaucoup d'arrêts. Et à la 50ème minute, la magnifique, donc je sais plus comment ça s'appelle le geste technique, c'est une sorte de roulette, c'est un nouveau geste technique pour éliminer le défenseur, et vraiment très très bien joué là de la part de Rémi, vous pouvez le constater. Un très très beau but que j'ai vraiment aimé mettre. Donc à la 59ème minute, c'est Costa qui va accélérer, il va se retrouver face à mon gardien, il est dans le lob. Le lob qui rentre, donc j'ai trop tendance en fait à sortir mon gardien, c'est ça mon défaut. Sortir le gardien pour faire des feintes et des fois voilà, ils mettent le lob. Vous allez voir que c'est pas le seul but que je vais me prendre comme ça durant cet épisode. Alors que vous allez voir que Rémi, encore une fois, le doublé de Rémi. Donc une grosse accélération après un scoop turn, donc un but. Voilà, pas un but skill, mais un but qui fait du bien et j'avais vraiment envie de le marquer ce but. Pour me rassurer, on va dire. Alors que, voilà, dès la 78ème minute, je vais vous l'annoncer, le rush kit. Je comprends pas trop, puisqu'il y en a, ils perdent 2-1, 3-2, enfin, ils rush kit, alors qu'ils ont largement les moyens de revenir. Vous pouvez voir que, au niveau des stats, c'est relativement équilibré, je dominais un petit peu. Donc voilà, on enchaîne sur le deuxième match. Et au cours de ce deuxième match, je vais vraiment avoir du mal parce que le mec avait vraiment du niveau en face. On pourrait pas croire avec cette équipe. Il me semble qu'il avait créé son club en 2010. Donc je crois que c'était un fondateur FUT. Donc c'est à dire qu'il avait créé son club en fait quand FUT était apparu. Il me semble que FUT était d'ailleurs payant. Au début, c'était sur FIFA 10. Je crois que ça a apparu. Ou peut-être FIFA. Ouais, c'était FIFA 10, mais c'était peut-être en 2009. En tout cas, je crois que c'était un fondateur FUT. Et voilà, il avait vraiment du niveau. Donc j'ai mis un but, un gros but raccro. Donc j'avais vraiment envie de le mettre pour me rassurer. Parce que souvent je me prends des buts en début de match. Et très souvent, voilà, je le paye cash. Donc il fallait vraiment que je marque ce but en début de match pour après pouvoir poser mon jeu. Et voilà, essayer de skill comme je sais le faire. Alors que là, avec Depay, je vais vraiment m'amuser avec Depay. C'est vraiment un joueur que j'adore. Vous pouvez voir que voilà, je me régale tout simplement avec ce joueur. Et Tarapt qui frappe, la grosse frappe de Tarapt. Et Rémi qui a bien suivi, Rémi renard des surfaces. Rémi, je l'ai vraiment adoré. C'est vraiment un joueur dans cette équipe qui était au-dessus du lot. De par sa vitesse, ses 4 étoiles, gestes techniques et sa finition. Il est toujours dans les bons coups. Et encore une fois, je vais me faire prendre avec avec un lob, encore une fois. Puisque je vais encore avancer mon gardien pour faire semblant que je sors tout simplement. Et je vais prendre le lob et dans la foulée je vais prendre le deuxième but. Donc ça fout vraiment le seum quand on mène 2-0 et qu'on se prend deux buts en quelques secondes. Mais je vais essayer de bien répliquer avec Ben Arfa, les gros passements de jambes de Ben Arfa pour Tarap. Je vais encore la décaler, Depay la frappe enroulée et le bel arrêt de son gardien, vraiment un bel arrêt. Et sur le corner qu'ils a à suivre, je vais récupérer la balle avec Siman et encore une fois l'arrêt de son gardien. Donc là c'est un petit coup franc lointain de la part de Wilshere, donc il n'était pas vraiment dangereux mais il était pas mal tiré, c'était quand même pour vous montrer
qu'il avait du niveau et qu'il savait un petit peu jouer. Et à la 79e minute, je vais me faire surprendre, mais heureusement. Alors, je sais pas s'il savait pas les tirer, s'il a fait exprès. En tout cas, il a bien raté. Ça m'a étonné, puisque je pensais qu'il savait bien les tirer et tout. Du coup, je me suis resté au centre. Et sur l'action qui va suivre, à la 98e minute, la grosse frappe de Coutinho. Coutinho, il a que 4 étoiles de Zesta Game. C'est vraiment un joueur que j'adore parce qu'il est très technique en fait. Je crois qu'il a une stat de dribble qui est vraiment haute. Et ça compense ses 4 étoiles de Zesta Game. Il mérite franchement les 5 étoiles. Franchement, ça serait une tuerie s'il avait 5 étoiles. Et sur l'action qui va suivre, Dembélé. Donc là, on est aux prolongations. Dembélé qui touche la barre. Vous allez voir que là, après la petite virgule de Depay raté, j'écarte sur Ben Arfa, il est sur le côté, et là il enroule de son pied gauche. Magnifique but de Ben Arfa, et c'est le but qui va me permettre de gagner et de passer directement en demi-finale. C'est la fin de ce match. Ça fait vraiment du bien de gagner contre un joueur comme ça, parce que c'était vraiment pas facile. Vous pouvez voir, il a créé son club en décembre 2010, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'était vraiment un adversaire assez compliqué. Je suis vraiment content d'avoir gagné ce match. Donc on enchaîne en demi-finale contre les Beast Boys et on va tomber contre une équipe en 3-4-1-2, donc un dispositif qui n'est pas très utilisé par les joueurs, avec notamment Suarez en attaque, le petit Rodrigo que j'adore, vraiment un joueur que j'adore, j'ai pu tester dans FIFA 13, c'était un de mes coups de cœur de FIFA 13. Dans FIFA 14 il était bon et je ne l'ai pas testé dans FIFA 15, mais j'espère vraiment le tester parce qu'il me fait vraiment envie. Et on va dire que je vais pas avoir de mal dans ce match, très, très clairement. Dès la 10e minute, avec Dembélé, j'arrive, hop, je fais le petit skill run. Malheureusement, ça touche la barre. Et Rémi, encore une fois, qui a bien suivi. En regardant des surfaces, toujours Rémi, c'est pas des buts exceptionnels qu'il met, des buts avec des dribbles, etc. Mais voilà, il provoque les destins, on va dire, il est toujours là pour suivre. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça. Et dès la 15e minute, je vais déjà marquer le deuxième but avec Depay. Depay qui l'a mis pour Rémi après avoir fait des petits gestes techniques. Et Rémi, la finition, elle est magnifique, puisque je dribble le gardien avec un petit ball roll et j'enchaîne avec une grosse frappe. Donc ça fait vraiment plaisir de marquer le 2-0 dès la 15e minute. Et vous allez voir que ça va encore une fois enchaîner, puisque je sais pas ce qu'il va faire. Il va faire tourner en défense, ça va être un peu n'importe quoi. Je crois qu'il a baissé les bras très vite, il a fait tourner. Je vais la récupérer avec Tarap et il va me tacler dans la surface de réparation, un penalty indiscutable. Et je vais attirer à Mignolé pour lui foutre un peu le seum. Et ça fait 3-0, 3-0 dès la 26e minute. Donc autant dire que là il avait vraiment les boules, et ça se comprend. Et il va Rashid au bout de 27 minutes, 3-0. On file en finale. Et dans cette finale, c'est en live que je vais vous laisser l'apprécier avec mon pote Lucas. Donc voilà, c'est sorti. On se retrouve juste après le match. Allez, bisous, à tout de suite. Donc, on est de retour pour la finale. Je suis en compagnie de Lucas. Salut à toi. Donc voilà, on va faire la finale en live. Donc ça sera un condensé. Voilà, j'ai décidé de le faire comme ça. Dites-moi si vous appréciez ou si vous préférez en différé. Voilà, la finale en live, je trouve que c'est plus sympa. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour les moments forts du match. Donc, on va tomber contre une équipe à 86 de général. Ouf, il ouais, y a une grosse équipe. En plus, la boost. Oh, il a Courtois orange au cage et il a boosté en bleu. Donc ça va être presque impossible de mettre un but. Et puis voilà, l'attaque Diego Costa Sanchez, ça va faire mal. On a Cuadrado, Hazard, il y a Clichy, compagnie. Donc voilà, ça va être super compliqué, mais on va essayer de marquer. Donc voilà, on vous présente le condensé de ce match. Tout de suite pour les moments forts. Putain, un Courtois au cage, il est genre c'est le meilleur gardien du jeu, tu sais, comme ça en orange. Et genre, en plus, il l'a boosté. Oh, oh putain, c'est pas un jeu. Pas faut réagir. Toi qui fais erreur. Bah attends. Oh. Putain, mais pourquoi ça passe comme ça? C'est pas possible. Putain, à deux, on est vraiment mieux. Ah ouais. J'enroule. Ah. Au centre. Oui. Oh, c'est passé quoi là? J'y étais en plus. Ouais. Il a pas sauté si j'étais plus. Oui. Oh. Boum. Non, t'es sérieux? Je suis en alternatif. Putain. Non, non. Oh mec. Je suis en classique. Mais non.
chaque fois, mec. Attends, oh, oui, action. Oui, oui. Oh non! Bon, vas-y, tu vas te mettre en alternative. Putain, ça me casse les couilles, mec. On a une action là de la page de 2 là. Vas-y, récupère. Non! Non! Oh, putain, je suis en. Oh putain, j'ai fait un tac. Je voulais trop pas faire un tac donc. Ouais, je passe. Fini. Non. Non. Oh, j'ai pas géré. Putain, j'ai paniqué. Il passe pas. Non. 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 Oh. Non, jamais. Oh. On a de la chance quand même. Je suis là-dessus. C'est ça, mon gars. Oh oui. Vas-y, Rémi. Boum. Oh, ah mais il a Courtois aussi au cage là. Il l'a boosté, il a 99. Ouais, oh. Franchement j'allais derrière comme ça, tu sortais et s'il met un lob. Ouais. La malice. Oh t'es sérieux? Oh. Oh oui. Oh la faute. Oh putain. Vas-y, le tir. Non, la faute, la faute. Je fais quoi? Tu le tires? Oh, je sais pas. C'est trop chaud mec à mettre. Bon, vas-y, j'essaye quand même. Oh le BD, dégage. Oh. Oh. Bon, c'est terminé les gars. Voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié. C'était Zorki. Salut. Donc voilà les gars, match compliqué, surtout en coop, pour moi c'est vraiment compliqué de jouer. Donc voilà, c'est des orques, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Lâchez un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Peace.